Allez, bienvenue à toutes et à tous. Si jamais vous nous rejoignez, OG contre Boom, c'est le premier match de la journée, c'est le premier match de ce groupe B du Bucarest Minor. Il ne faut pas faire de faute de car, je vous l'ai déjà dit pour OG, il faut remporter cette victoire contre les Indonésiens de Boom ID. Pas de bêtises, faites pas les cons, messieurs. Alors, OG, la grande histoire, bien entendu, vous avez suivi, bien sûr, le run incroyable de TI, et derrière ça, on les a pas trop vus, ils n'ont pas participé à la première petite fournée de minor et de major que Valve nous a proposé, en début de saison. Là, c'est le premier tournoi officiel qu'ils font. Des qualifiers un petit peu en dents de scie. Anna qui repart à la retraite avant ça, bien entendu. L'appel de PyCat sorti nulle part, sorti du chapeau, qui ne fonctionne pas. PyCat kick de l'équipe. ILTW, petit prodige de la scène S... de la CNCIS, pas la CNSEA, de la CNCIS, qui vient le remplacer. Ouais, j'espère que ça tourne. Pourquoi pas? Ouais. Franchement, pour le moment, je m'arrête à pourquoi pas. J'ai arrêté d'avoir vraiment des avis sur ce que les mecs, sur ce que les capitaines, les équipes voient en des joueurs qu'on considérait comme étant pas forcément au niveau. Parce que, clairement, si tu fais la liste de tous les mecs qui peuvent aller chez OG, ILTW, il est pas très très haut dans la liste. Mais il est pas très très haut parce que c'est pas un joueur très hype, parce que c'est pas un joueur qui a été spécialement sous la lumière des projecteurs. Mais c'est pas pour autant que c'est un joueur qui mérite pas et qui est pas malléable. Parce que ça, c'est une qualité très importante aussi pour un joueur qui rejoint une équipe déjà formée, c'est qu'il a besoin d'être malléable, ce joueur. Il a besoin de pouvoir s'adapter. Et ouais, carrément. Donc si eux, ils voient quelque chose en lui, chiant. Franchement, ça me convainc plus qu'un PyCat qui, pas en termes de qualité de joueur, mais juste en termes de PyCat, merde, il y a déjà des équipes qui ont tourné autour de lui. Il a déjà sa manière de jouer depuis des années déjà. Il a déjà travaillé sur beaucoup sur son gameplay. Et LTW, c'est probablement pas le cas. Mmh. Ah non, je suis d'accord avec toi. Mais quand tu regardes, c'est... C'est le credo de recrutement de certains capitaines. Bon, je pense à Pepe, on sait qu'il adore faire ça, quoi. On sait qu'il adore prendre des joueurs qui n'ont pas été trop formés et les former un petit peu à sa manière de draft, à sa manière de lead et d'avancer comme ça. Alors, on va voir si Notail et Matt vont réussir à faire la même chose. Puis, preuve d'expérience, et je pense que Thompson nous l'a montré à TI, l'expérience n'est pas un critère fondamental pour pouvoir gagner un tournoi. Oh, clairement pas. Après, OG, dernièrement, c'est assez rigolo parce que bon, les quelques games que j'ai vu d'eux, c'était... Mais... tellement pas du tout le OG de TI quand je les ai regardés. C'était un OG, tu sais, pas spécialement agressif dans leur manière de jouer, un peu plus renfermé dans des espèces de on trouve des moyens d'avoir du farm et on joue un petit peu attentiste et enfin c'était très bizarre quoi. Donc on va voir comment est-ce qu'ils arrivent dans ce tournoi, mais avec grosse interrogation. Alors au niveau des bans, déjà, c'est marrant ce ban Brood qui est arrivé quand même en première phase pour OG. Le ban Mipo, on peut le comprendre, c'est le Mipo SEA, voilà. Bon, je ne sais pas, je connais pas très bien, je vais vous avouer, Boom, hein, mais on va partir du principe que c'est logique, on va dire, contre des équipes SEA, quoi qu'il arrive, de ban Mipo. Je suis sûr et certain que Seb a fait ses recherches et qu'il y a forcément un joueur de Mipo dans l'équipe adverse, donc ça paraît à peu près logique. Le Dazzle, bon, ça se passe de commentaires. Et la Brood, je l'aurais peut-être vu un tout petit peu plus tard. Mais, ok, très bien. Ouais, ils veulent kick ça de là, enlever tous les cheats possibles. Ça veut probablement dire qu'ils estiment être meilleurs que l'équipe en face, qu'ils n'ont juste pas envie de se prendre des petites blagues. Donc, ok, sure. Ouais, ça a l'air d'être le cas. Et en face, on a viré le NP, le Yo, LBM. Pareil, on est dans du très très classique. Peut-être juste le NP de Seb qui apparaît quand même assez rarement. Enfin, le NP qui apparaît assez rarement en première phase, mais là, c'est celui de Seb. Donc, ça paraît à peu près logique. On a pris Tiny Tuskar côté Boom ID. Donc, du très classique. Je pense que tu as ton offlane là, avec ces deux héros. Et Earthspirit Phoenix pour OG. Tiens, ils jouent encore Phoenix. Cool. Il y a plus grand monde qui joue Phoenix. Mais eux jouent encore Phoenix. Ils ont joué beaucoup beaucoup de Razor dernièrement, un des héros de Thompson. Donc à voir si c'est un truc sur lequel ils se jettent. En tout cas pas suffisamment pour être très haut dans les pics comme ça. Mais en tout cas ça a été un de leurs gros héros dernièrement. J'ai laissé l'autopub. Oh t'es... En plus ils ont tout changé mon vote. Attendez, c'est où? Je vais le trouver. C'est là, c'est bon. C'est tout en haut, c'est bon. Ouais, c'est bon. Mais non, c'était tout en bas. c'est tout en haut. C'est quoi? Sûr. Bah, je sais pas, moi, avant, c'était genre le 17ème truc sur lequel il fallait cliquer. Tu sais, quand tu scrollais 17 trucs, ça a été là, quoi. Là, ah oui, non, mais c'était le premier menu, c'est ça que je voulais dire. Oui, c'est bon, j'ai trouvé ça. Oui, par contre, c'est le premier menu.
qui est maintenant à gauche et plus en haut. Qui est là, enfin, qui est, voilà. Qui est, voilà. Qui a changé. Bref, ils ont tout changé. Enfin bref, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, c'est l'heure du changement, je nous le prouve. Allez, le changement c'est maintenant. Troll et Slark. Car ils veulent, je pense, vraiment éviter les cheese jusqu'au bout. Enfin, les cheese. Les cheese ou les semi-cheese. Le petit troll, le petit Slark qui vont être dégagés ici par Roger. Très bien. On va vérifier tout ça. Le Darkseer. Putain, j'en ai toujours pas vu un seul, le Darkseer. Je suis trop triste. Hein. Tu sais, on en a parlé un petit peu hier en plus. En disant, oh, le héros est fort, c'est sympa à jouer, etc. Il y a des combos bien cool à faire autour du héros. Et je crois qu'absolument toutes les games que j'ai cast depuis hier, le héros a toujours été banni en deuxième phase. Et de celle-là, je n'ai jamais vu un Darkseer pointer le bout de son nez. Bon, ça arrivera. Pas pour tout de suite, mais ça arrivera. Oui, je pense aussi. Ok. Alors, le dernier ban de Boom, sur qu'est-ce qui va se diriger. Donc, encore plein de trucs à OG. Hein. Il manque un peu des décors en tout genre. Oui, bah, je pense que pareil, on disait qu'il y avait l'offline, là t'avais deux supports de OG, hein. Y a pas de... je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Hein. À ce niveau-là, t'as le... potentiellement le héros de Jirax et le héros de Notail là, dans cet ordre. Hein. Peut-être un Phoenix P3 pour Sam, c'est possible. C'est voilà, le genre de mec à jouer ça, je pense. Toujours un peu possible, mais... on sait jamais. Tiens, Ban Krings, marrant ça. Mm. Pourquoi pas. Ah pareil, on l'a pas trop vu le Krings, il y a eu des petits changements, t'as l'armée des squelettes maintenant que tu invoques avec ton ulti, ce genre de choses. Mais je n'ai pas encore vu, je crois, être joué en compétitif, si je dis pas de bêtises. Et même en pub, c'est un héros, je crois que je n'ai jamais vu depuis le rework. Il a l'air d'être un petit peu boudé à l'heure actuelle. Là où avant le rework, je le voyais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le changement sur le Strafe qui lui avait bien bénéficié. J'en ai vu un petit peu et c'était assez marrant parce que le truc des squelettes, c'est le spell est très nul et très fort en même temps. C'est ça qui est rigolo, quoi. C'est très bizarre à utiliser convenablement. Maintenant, le héros est une crêpe intersidérale, hein, il gagne plus de PV donc c'est très très violent. Mais ce truc de l'armée des squelettes, si c'est bien utilisé, ça fait ultra mal. Donc t'as perdu bon. En. On va dire tankiness, t'as perdu en. Ouais. En pool d'HP pour gagner en DPS, quoi. Ouais, pour gagner en DPS sur un spell qui est pas facile à utiliser, c'est ouais. Ça surtout, en fait. C'est... Ok, ce spell est très sympa, mais très dur à utiliser. Tiens, un héros qu'on disait comme étant mort hier, Monsieur Skyros. Ouais, j'en ai vu quelques-uns, là, des Sky. C'est un des héros qui bénéficie bien, slash très bien, des changements sur les nuls talismans, entre autres, qui vont maintenant te donner de l'aspect lampe. Oui, tu ouais. Sais, sur ce spam de 3-4 nul talismans, alors malgré les nerfs de tout ça, l'augmentation en coût, comme tu faisais déjà 3-4 nul talismans avant le patch et avant les changements sur l'item sur le Sky, et que ça lui bénéficie encore plus maintenant, vu qu'il va faire encore plus de dommages à l'heure actuelle grâce à ça, et bien c'est un héros qui continue de faire ça, qui continue d'aller faire 2-3-4 nul et d'évoluer derrière. Et c'est un porteur de Road of Athos, on en parlait hier, il n'y a pas beaucoup de porteurs de Road of Athos actuellement, le Sky en est un. Tu vas peut-être avoir le droit au Razor Atos de Thompson. Hein ouais, je sais ça aussi, j'ai vu Razor Atos. Mais moi je trouve que l'item est trop bien pour ce genre de héros, tu sais. Maintenant ça te donne, je crois que c'est 20, 10, 10 en stats, 20 d'intel, 10 d'agi, 10 de force. Et de cette là, c'est 42 stats purs sur un item qui coûte pas ultra cher. Pour des héros comme Razor qui ont besoin d'avoir un petit peu de tout, quelque part, un peu d'agi, un peu de force, un peu d'intel. T'aimerais bien avoir un peu plus d'agi ou de force que d'intel dessus, je pense, mais. Voilà, ça reste pas si dégueulasse que ça. Ouais, ouais. Le seul truc qui manque à cet item, c'est un effet qui se coule, quoi. C'est autre chose que juste des stats purs, parce que sinon c'est un espèce de sous... Tu ferais aganim, si tu avais besoin de stats purs sur certains héros, tu ferais aganim sur tout le monde, quoi. Même si t'avais pas d'effet. Donc bon. Oh, il est marrant okay. Le draft de OG. Chercher un void air, il y a une coup sur le chrono avec un peu de poke de la part du Razor et le phénix surtout. Mmh. Ça tend du coup un dernier héros qui pourrait travailler avec cette chrono aussi. Soit, remarque si le phénix est P3, c'est pas mal. Sinon, tu veux quand même un P3 qui peut agir un poil autour de la chrono encore ? Potentiellement, oui. Oh. On va voir ce qu'ils vont décider. Alors, je pense que ouais, là on a les héros de LTW, de ILTW, pardon, de Thompson, de Jerax. Peut-être il manque le héros de Notail s'il joue pas le phénix. Et peut-être de Seth, celui de Seb, s'il ne joue pas le phénix non plus, bien sûr. Boom ID, qu'est-ce que eux, il leur manque? Il leur manque un mid? Non, c'est bizarre ça. Attends, c'est Sky support, tu penses? C'est Sky mid? Ça serait cool que ce soit Sky mid. Ça serait stylé. Ça
Ça serait vraiment cool que tu sois Skyrim. Je doute, mais ce serait cool. Je doute aussi. Bah après, on avait parlé peut-être de team avec un niveau un petit peu en dessous, en tout cas sur le papier, de team qu'on attend moins. Enfin, forcément, t'as le gagnant de TI d'un côté contre une obscure team indonésienne qu'on n'a jamais vue. Mais ça peut être l'occasion de tenter un Sky Mid, un petit Cheese. Après, il arrive tôt, ce draft Sky Mid pour Cheese, peut-être. Je pense pas qu'il aurait été ban. Avec le bon pug, non, là, c'est bien possible. Ah, peut-être, hein? Peut-être, 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 peut-être. Très curieux, très curieux. On va voir. Et de ce fait, si c'est un Sky Mid, qu'est-ce qu'il en manque? Il en manque un support pour aller avec le Jug? Ça a l'air d'être ça. On va voir quel ban gros cerveau Seb va décider d'aller chercher. Projet Overland Offlaner qui tape un qu'est-ce qu'il y a comme sexy offlaner? Après, tu peux t'en foutre et prendre genre Magnus, quoi. Puis tu lis le Void, il tue les gens dans la chrono. Oh, Ça peut être très bien aussi. Ça reste un des héros de Sept, bien sûr. C'est pas trop mal, même d'ailleurs, ici. Hein. Tu joues contre c'est trop pas mal du Magnus. tout, hein. Hein. Ouais, tu joues contre triple mêlée. T'es pas trop embêté sur la phase de lane par le jug via le skewer. T'as un bon contrôle over le spin, ce que t'as pas sans utiliser une chrono aujourd'hui. Ils vont essayer de ban OD, d'accord? Et ils vont aller chercher Ah, Zven. le Ah, ça fameux c'est le. Sven. Mais ça c'est le Zven de Notail, non? Ou c'est. Pense? Pense, hein, je Ah, pense que c'est Sven P5, pour hein. moi, le héros est vraiment P3, mais on verra, on verra. Je pense que c'est Sven P5, Il a hein. été joué pas mal P4, P5, quand même, en Ouais. pro. Et pour moi, mon bet, c'est qu'il s'installe en tant que P3 stable à terme. Ah, écoute, on verra. C'est Nip qui l'a joué en support hier, si je ne dis pas de bêtises. Allez, regardez les VOD à Ouais, l'occasion. PPD, on a joué un. Ouais. Et ça n'a pas très bien marché. Enfin, ça n'a pas très bien marché. C'est pas le Zven qui a pas marché, c'est son équipe qui a perdu. Mais le Zven a été, le résultat du Zven a été correct. Et ça ne sera pas un Sky Allez, Mid, vu que c'est Sébastien, Mikoto fais-moi qui va jouer plaisir. une Lina. Et Sept au Oui, c'est Zven. ça, Yep. c'est le Zed P3, putain. Oui, on rigole, les Grievelings, c'est marrant, le Zed P3. Hihihi. Bon, ça, Parfait. c'est le moment où je mange mon croissant et j'admire Seb faire le show. Voilà. Ah, Ah, dans 30 j'espère. secondes après mon croissant. J'espère, j'espère, j'espère. Moi, j'ai hâte de le voir, ouais, de le voir faire le show, justement. Comme tu le dis. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et donc, c'est un Sky P5. Enfin, ça aussi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pour le coup. Je suis très curieux de voir ce que ce Sky, comment est-ce que ce Sky va réussir à évoluer. En temps vraiment de position 5, c'est Jokam hein, qui va aller jouer le petit Tusker support en Alors, position Sven P3, 4. les mecs, si vous voulez jouer ça en pub, c'est gratos, hein. C'est gratos. Prends les stuns level 1, et le 2-3, vous faites Warcry, 4 stuns, 5 Warcry, vous faites double Brasseur Power Trail, vous avez 3000 HP effectifs au level 7. Mais littéralement, hein, je déconne même pas, c'est même pas des chiffres gonflés, vous avez 3000 effectifs HP level 7, vous faites Vlad derrière, ça vous avez tous les HP de la planète. D'ailleurs, vous êtes le roi du pétrole, hein. C'est gratuit comme héros. Ah, tu fais Gratuit. Facebook de ce fait? Non, je fais Power Trade, moi, juste des D'accord. PV. Ok. Du DPV. Ah, j'aime bien FaZe moi quand même sur Sven là actuellement. De la S, de l'armure, tu sais, comme t'as plus le Warcry qui t'en donne. Ça me plaît pas mal. Ouais, moi, je trouve que juste le héros, c'est le machin qui doit avoir 14 millions de PV pour pouvoir mettre 12 stuns dans les fights. Ouais, de ce fait, tu te transformes juste en Stunbot. Enfin. C'est ça. Et puis, Ok. pendant si tu arrives à mettre ton ulti, et bah, tu vas mettre quand même des tatanes. D'accord, ok, très bien. Ouais, tu vas aller tuer un petit support ou un truc comme ça, quoi. Tu peux. Je pense que FaZe est pas mal non plus. FaZe, c'est genre si tu sens que tu peux un petit peu. Un petit peu S'il y a une carry? phase de lane qui ressemble à quelque chose et puis que tu peux taper un petit peu en fight. Et ce qui est génial avec ce héros, c'est que même si t'as une phase de lane de merde, tout ce que tu veux, c'est des levels et de quoi avoir deux brasseurs à ton level 7. Et franchement, c'est pas très dur. Ouais, puis il est pas mal l'arbre de talent, si j'ai pas de bêtises, t'as de la S à un Ouais, t'as le moment. dispel après, T'as qui de la S, ça peut être sexy dispel. quand même. T'as le CD de. Un CD sur le stun aussi, la réduction de CD sur le stun au 20, c'est ça, hein? Non, c'est au 25, je crois, la réduction de CD sur le stun, C'est mais pas c'est pas le cette 20, le unique 20, je magique pense au qu'il est. 20? Au 25? Ah non, Ah non, là, c'est t'as la raison, durée, c'est la ouais. durée au 25 et c'est ça, et le CD au 20. Ah non, il est super sexy en support cet arbre. Bon, je l'avais vu, et t'as la mana regen, c'est ça, niveau 10. Waouh, ils sont énervés là, OG. Putain, ça, c'est parti, hein. Ah, bah, c'est OG quoi, mais ça fait longtemps qu'on les avait pas vus. On serait habitué au spam de Ah, il a déjà mis le Vlad en quick base, c'est bon, il a compris, putain. chatwheel. On est sur la même longueur d'onde, Oh, Seb. Gérax. Oh, Gérax. Bonjour. J'ai révélé la smoke. Vous allez bien? Allez, hop, je m'en vais. You lose face and life. You'll be face and life. Thompson qui va double révéler les choses. Attention quand même à pas trop se faire surprendre. On occupe bien la carte, hein, côté boom. On a joué de manière très très agressive. On se fait un petit peu circle.
Roger qui est présent, attention, le tag team, Thompson qui va prendre pas mal de dommages, on a le spin qui est en train d'arriver, il y a le TW qui peut pas faire grand chose pour aider son allié. Peut-être se retourner sur Kezu quand même, essayer d'aller chercher un contre-kill là-dessus, le jump-in de ULTW, No Tail, qui va aller placer les petits spirits. Allez, le stun de Jerax sur le roulé-boulé, on aura le contre-kill, maintenant il faut aller chercher les Bounty, messieurs. C'est déjà tout, c'est déjà parfait, putain. Entre les rires et les rires de Grivil, c'est génial. Ah, le Tusk, il attendait le petit move sneaky pour aller prendre la bounty là pendant que ça challenge Euro sur le jug. Ah, le Tusk a gagné son petit move sneaky. Et ils vont avoir double bounty alors que un tout petit peu plus bas, bah, le Tusk en effet a gagné son move sneaky. Sam lui aura récupéré sa bounty, pas trop de fight hein, en bas. Et le Tini lui aura pris la sienne. On continue pas mal avec Kick Fervian. On a mis en grande difficulté le carry adverse quand même. C'est bien joué côté Boom. Côté OG, pardon. Le Cam qui est de retour, on a récupéré un relais boulet de la part de Jarax s'il le souhaite. Du coup on a soit petit swap l'histoire quand même avec le Sven en bas. Stun, ouais. Attention à Jokam hein. On peut pas faire grand chose, on balance pas les spirits de la part de Notel, ça aurait presque valu le coup j'ai l'impression. Il y a encore un relais boulet qui est touché mais ils vont le tuer. Ils vont le tuer! Et ça va passer, bien joué Notail! Yes, I just did that. Yes, I just did that. Ouais. Ils ont dragué la vague de creep. Alors je pense que c'était pas spécialement prévu en allant effectuer le kill. LTW qui reste bien à l'aise sur cette lane. Le tag team, on va dodge les dommages. Et les creeps vont se rencontrer devant la tour finalement à Doge, donc ça reste rentable pour eux en termes de positionnement. On va voir comment il joue son skill build contre une Lina mid avec son radar. Je pense qu'il max le plasma field, non? Après il peut peut-être maxer le passif et il a après déjà pris un niveau de passif là, Thompson, non? Bon, Seb, il a une décision importante à prendre. Il veut jouer loin vers, il joue cleave. Il veut jouer son héros, il joue Warcry. Ah bah il joue Cleave. Il joue Cleave en effet, ouais. Bah, il a fait un peu n'importe quoi d'ailleurs. Ouais, il fait beaucoup de dommages de tour là. Parce que à terme, je pense que c'est un match-up qui fait. Sur Kezu, qui va slow Jerax, le tag team derrière. Je pense que Jerax est condamné, il y a le TW qui peut pas faire grand-chose. Jerax qui essaye de juke un petit peu nos tails. Il n'y a pas encore le dive, faut aller allonger les spirits sur Cascute. On s'est bien joué, Jokam. Et Shard qui va réussir à draguer son écrip. On a un roulé boulet qui est reparti. On essaie d'être, hein, de la part de Fervian. Le slow de Cascute qui vient d'arriver juste derrière. Oh, dommage. Jarex qui ne touchera pas le sien de slow. Coup de pied légèrement désaxé. Ok, il jouera pas le match-up à 100% avec même le point de Warcry qui arrive. Attention, Notail, c'est toujours la garde. Ouais, Notail est toujours niveau 1, Notail est toujours niveau 1 là-dessus. Allez, le coup de pied est pas mal. Est-ce qu'on arrive à chercher contre-kill? Le Firefire de Jokam, le roulé-boulet qui ne touchera pas. Si, il va toucher, mais ça sera sur le Sky. C'est peut-être une cible un peu plus facile finalement. Le jump-in, YLTW, attention à toi. Tu te mets peut-être un peu en danger là-dessus. 21 secondes avant de pouvoir repartir. Le Juke en allant manger un arbre avec une Cooling Blade. Non, elle aurait été coupée par le Juggernaut. Il est magnifique ce Shard. On essaye de trade jusqu'au bout contre le Tuskar. Le spin qui vient de revenir, on n'a pas encore de roulé-boulet. Et on va voir le trade contre Jokam. Non, ça ne sera pas effectué. On n'aura pas le létal. Sur leur Bob Venom, Jerax qui va devoir reculer. Elle fonctionne pas si bien que ça, cette tri-line agressive finalement côté OG. Hein. Ils sont un peu rentrés dedans, notamment grâce au tag team, très efficace dans ce genre de situation. Tellement la méga guerre, mon gars. C'est la méga guerre, top. Ça se met sur la gueule, mais c'est clairement OG qui est du mauvais côté du truc, notamment en termes de level, quoi. Et que donnent les offlane? Alors Seb s'en sort plutôt bien à l'heure actuelle contre le Tini. À peu près even. Et le Razor perd légèrement mid, ce qui est normal, je pense. Ça paraît logique. Mais en bas c'est rigolo, je pense que ce match-up, si tu le mets en mode full, vraiment, le Sven veut jouer le match-up à 100%. Pour moi, un Sven qui max cleave contre un Tini, il gagne. Ouais. Ah, mais là, il fait un espèce de build un peu hybride, quoi, avec deux points sans hammer. Il va faire un peu entre les deux, parce qu'il sait qu'il est là un peu pour jouer un peu utilitaire. C'est pour ça qu'ils ont draft le Sven dans ce truc, c'est pas lui le carry dans l'équation, enfin. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a un univers dans lequel tu fais Agas sur ces Sven P3 ou P4 là ou pas?
Je pense que tu peux. Mais je pense que dans le grand tout, t'as quand même probablement meilleur à faire un peu à n'importe quel moment de la game. Vlad, Into Dagger, Albert, BKB, si vous hésitez, même Cuirasse, c'est tous les trucs qui me paraissent plus sexy que Laga. Et Showay, note à terme. Ouais, Seb qui va être forcé de Mangostun pour essayer de sortir en bas là. Ouais, même avec ça, c'est pas certain que ça passe. Hein. Le shard est magnifique encore une fois. Le stun qui va arriver juste derrière de FBZ. Et le kill. Allez, ça passe. Pas accordé au Kini. Et marrant cette nouvelle avalanche qui fait plein de bébés stun. Ça me choque à chaque fois. Ouais, ça me trigger. Pourtant, c'est pareil au final. Hein. Enfin, plus ou moins que l'ancienne, finalement, on dirait deux steps. Ouais, c'est juste trigger, que t'as l'impression de pouvoir t'en sortir à chaque fois, quoi. C'est ça. Ah ouais, c'est vraiment ouf. Not going to happen. Et des rotations hein, de Jokam qui sont en train d'être enchaînés là, depuis tout à l'heure, qui ont déjà payé avec ce kill en bas. Attention au mid, le stun qui a été lancé, on a un ulti hein, de la part de cette team là. Thompson qui s'est peut-être un peu trop avancé, qui va se faire slow juste derrière le tech team. Il est totalement mort. Et OG qui se fait dépasser peut-être dans les premières minutes de cette partie par Boom. Ah, faut souffler un peu côté OG là, c'est assez normal. Tu regardais pas au mid à ce moment là? Si, le coup d'élastique là. La Lina qui a mis, je crois, 6 miss de suite sur le creep. Est-ce que c'est honnête ça? Et je pense que. Enfin, Boom a clairement un draft qui est fait pour être fort sur la phase de ligne et en sortie de phase de ligne. Il y a beaucoup de dégâts, beaucoup de stun, des héros qui rotate bien et tout. Donc, ils sont très violents maintenant. Ah oui, il avait pas de dommage. Il avait pas de dommage, bien vu. Ouais, c'est ça, il tapait à zéro. Ouais, c'est ça. J'allais dire, je voyais pas les miss justement s'afficher, ça me semblait bizarre. Mais comme le creep était un petit peu dans la pente, je me suis dit bon, ça doit être ça. J'arrête, c'est foutu de sa gueule. Ah oui, clairement. Petit rire du Graveling là. Et ça, il y avait un creep. Il y avait un creep comme ça d'un mec qui peut pas deny sa tour parce qu'il est à moins 10 et puis t'as une Maiden qui arrive en face puis qui la steal la tour. La tour qui a plus 7 PV et tout. Essaye d'aller chercher des petits poules en bas, c'est pas évident. En haut plutôt, pardon. Seb il a quasiment terminé Vlad, il coûte vraiment plus grand chose ce Vlad hein, aujourd'hui, hein. C'est agréable. Ouais, grave. Tellement bien. On verra s'il décide de prendre la mana régène au level 10 section zone, parce qu'avec le Vlad qui file déjà de la mana régène, si tu arrives à te trimballer une petite mango ou un petit raindrop, t'en as pas forcément besoin. On va voir. Un joli pool aussi stack qui a été fait là sur le camp de gros creep, et il faudra le farmer à un moment ou à un autre. Alors attention de nouveau à Thompson qui va peut-être se faire courir dessus au mid. On a du backup par contre, qui est disponible cette fois de la part de leur kill qui va devoir intervenir. Le stun qui va pas toucher et l'ulti qui va arriver juste derrière. Il est en train de linker, dommage, lui peut-être pas de la bonne personne, pas de la Lina en tout cas. Est-ce qu'on arrive à avoir le contre-kill sur le Tuskar? C'est déjà fait. Est-ce qu'on arrive à aller chercher un contre-kill de plus? Le joli silence qui va être enchaîné juste derrière. Les coups de bottle de cette Lina vont la maintenir en vie. Elle ne sera pas morte en effet. Thompson la tips et a raison. C'est trop bien joué ce qu'il a fait le Sky. Le Sky qui silence instant le Earth Spirit, un petit TP, pour empêcher que le Earth Spirit silence la Lina, quoi. Ce qui aurait permis de sauver Thompson. Vraiment bien joué. Je crois qu'ils ont merdé leur coup. Ah, ils ont merdé leur coup, mais. Qu'est-ce il a pas pu lui remplir la bottle parce qu'elle est passée dans le backpack. Et Razor de Thompson qui part sur un build de Bobasseur qui est là pour tanker. Bon, il joue contre une Lina après, donc la résistance à la magie est bien efficace. Et encore des rotations, hein, des supports de Boom qui vont revenir au mid. Ça manque peut-être d'une petite voire de ici. Thompson qui se fait courir encore une fois de plus dessus. Les shards qui vont arriver. Non, les shards qui sont ratés, c'est dommage. Ouais, le roulet boulet qui va connecter, le roulet boulet qui va bel et bien connecter. Mikoto qui continue de courir, qui met les raids, qui met les waves. Et ça va passer, il n'y aura pas de backup cette fois. En plus de ça, c'est ILTW qui se fait récupérer en 1v1 sur l'ulti de Dreamocell au top. On tombe 3k gold derrière. Côté OG sur le début de cette phase de lane. Attention OG, il faut pas se rater. YLTW qui est de retour au top avec Joakam de nouveau sur la lane. La ward qui remonte les HP de Faravien. Un TP qui est en train d'arriver de la part du Sven. J'ai peur que ça soit trop tard. En vrai, le seul truc qui me fait peur, c'est à quel point ils sont derrière en termes d'XP en fait. Qui prennent 10-4 au kill score, vu les drafts à ce moment-là de la game,
Chiant, ok, ça marche. Les mecs en face sont vraiment violents à ce moment-là de la game. Mais la vache, XP ça, ça fait peur quand même. Motel qui croise qui est cute. Allez, c'est peut-être un kill à obtenir là-dessus. Le silence qui va peut-être empêcher quelque chose. Le roulé-boulé qui va connecter juste derrière. Le stun avec le kickback pour sortir les dommages de la tour. Attention, il faut terminer ce kill. Ce kill va être terminé. Motel pour le moment qui tank grâce shield de vie de Seb. Il y a double TP en bas avec le back toss qui va arriver juste derrière. Seb qui est obligé de courir, qui va prendre le stun bien aligné de Mikoto. Seb qui va probablement tomber. Le spin ainsi que l'ulti de Mikoto viendront lui dire au revoir. Il faut maintenant reculer OG. Pas rentable ce kill, ça TP en masse hein, côté boom. Tu les sens en réactif là-dessus. Tu les sens mobiles sur la carte. Putain, il fait pas trop le malin. Hein. T'es un piaf level 4. Hein. Ouais, il y a un spin peut-être. Il y a un spin, il y a un dive pardon à utiliser. Le slow qui va toucher quand même Notel. Notel qui va TP, ça va passer, ça ne passera ouais, pas. Hein. T'as un piaf level 4. Hein. Ah, ce qui est bien, c'est qu'il sera plus proche de la fontaine pour acheter son tome d'XP. Oh, Jarex qui a réussi à avoir la bounty, mais il s'est fait cancel son rôle boulet par contre. Oh, ça. Ouais, et puis il a donné sa vie pour les bounty, je veux dire, pour un Earthspite level 4. Et Thompson, voilà. Qui était allé farmer le stack adverse, qui a perdu beaucoup de HP. On va décider de courir sur une TW qui va peut-être devoir utiliser la chrono en défensif. On ne peut pas l'aider hein. De la part de Thompson, la chrono est utilisée bel et bien en défensif. Il met tous les dommages du monde, il TW. Avant d'essayer de partir, il va s'en sortir, mais c'est une première utilisation de chrono qui ne donnera rien. Mis à part il est obligé de chrono défensif parce qu'il en cédé sur son jump passeur. Ah, il y a quand même des gros stacks qui ont été faits dans les bois un peu partout. Hein. Alors que Thompson farme ça. Alors, le max du passif validé, bien entendu. Les 3 secondes, des petits dommages à haut qui vont pop, mais bon. Il va passer en network à cette 10e minute et on voit quand même que les corps de boom sont bien devant. Mais y a toujours cette bounty ou c'est le bug de la minimap hein? Moi j'ai pas non, de c'est le bug de la minimap. Ouais. Ok, ouais. Vous voyez celle au-dessus de. Au-dessus de Thompson là, près du shrine radiant. Ah, tiens, c'est un jug pas BF. Ah bon? On parle des yards de jug BF qui sont autour. C'est un jug pas BF. Ok. Alors moi j'ai vu des mecs à Yasha et Power Thread. Mais ouais, ouais, j'ai vu. Ok, d'accord. Donc Power Thread parce que de ce fait là, Yasha. Donc tu gagnes la MS via les. Via la Yasha. Et la S, bien entendu. Et du coup, notre Sven, il va faire Facebook et il va skipper le bah, il va skipper le merde, le passage brasseur parce qu'au final, bah, il est pas spécialement sous pression. Les brasseurs sont très cool pour t'aider à survivre en fin de phase de ligne. C'est des bons items à rush. Là, il va les zapper et il va partir sur Crimson Guard, qui est très bien aussi. Ça reste toujours dans l'idée de voilà, de Sven, vous avez compris, il est là pour être immortel et essayer de rendre les gens immortels. Ah, ils ont sorti le top pour pas se faire tuer la catapulte. Attention, Sven d'ailleurs, qui était pas si immortel que ça avec la douche. Du Sky qui va arriver, on n'a pas de chrono, je vous le rappelle, de la part de FTW qui va prendre l'ulti du Jug, qui va prendre l'ulti de la Lina également, le dive, un petit leg au milieu du teamfight, il faut le focus cet egg, il est focus cet egg et il va tomber. Thompson qui est en train de fight là-dessus, on n'a pas de shrine, le buyback qui va arriver de la part du Phoenix, le retour du Tuskar cette fois qui va pouvoir snowball in, qui va pouvoir ulti également Seb, Thompson pardon, qui va tomber également, le silence sur Notail et son buyback qui va peut-être se transformer en dieback ici, le dev Tini qui continue de chasser Jarax avec la Blink Dagger, Jarax qui va tomber également, c'est un full team qui va être récupéré par Boom, c'est fight d'early game qui sont désastreux pour OG. 19 à 6 ici, Voja à la 12ème minute. Ça fait 6 kills de prix quoi, vu qu'il y a le dieback de Notail là-dedans. Ouh, ça commence à faire très peur. Ça commence à faire extrêmement peur tout ça. Ouais, ouais tout c'est compliqué hein. La tête de l'eau quoi. C'est compliqué, 7k gold d'avance, tu parlais tout à l'heure, l'XP 6k. Des fake doute pas encore là, une chrono qui était cédée. YLTW seulement niveau 7 qui essaye bah, d'avancer sur une Battle Fury du recover, mais bon, il en est encore bien loin. Et Boom qui continue de jouer agressif, qui va peut-être maintenant essayer de sauter sur Seb. On a la dagger, hein, vous l'aviez vu tout à l'heure sur FBZ. Allez, bah là il va falloir jouer soit complètement la grappe côté OG en mode et puis on espère que les types s'envolent un petit peu et qu'ils tentent des moves à 2 et qu'ils tombent contre 5. Soit tu acceptes de concéder encore des kills et tu joues un peu séparé. Ouais, le stun sur le tusk, le roulé-boulé derrière.
arrière, le silence qui est pas aligné, le Tusk qui se retourne avec le tactile, il y a beaucoup de monde derrière, notamment FBZ, encore une fois avec sa dagger, notamment Fabian en seconde de l'ulti. Le spin qui va permettre de tuer Lake peut-être, quoique non, on protège cet egg avec la chrono, c'est pas mal. Et cet egg qui va exploser à la fin de la chrono, il faut terminer les kills, messieurs, le roulé-boulé qui va faire gagner du temps au Tuska. On est toujours en train de fight de la part de Thompson, et on va pouvoir récupérer le jug, c'est pas mal ça comme fight pour OG. Les comebacks à la OG, ils sont là peut-être, Voja encore une fois. Maintenant on va décider de courir sur la BZ, le retour du stun de Seb, qui va permettre de récupérer ce kill sur le Tini. Et c'est bon, OG qui nous faisait juste une OG. Mais pourquoi est-ce qu'on s'inquiétait finalement? Le comeback est là, la tour va tomber, 4 kills en leur faveur. Pour une seule mort. Et puis j'ai le gilet qui s'effondre, Roger va le faire, Roger va le faire. Allez, allez. Non, c'est bien sûr. Joli fight ça. C'était optimiste quand je vois l'engage, mais putain, c'est con, c'est pas à eux d'engage et tout, etc. Au final, ça se passe bien. Une très très belle chrono de ILTW. Ouais. Vraiment, elle est parfaite. Elle permet au Phoenix de repop à l'extérieur de la chrono et tout. Mais très joli, elle permet au Razor de. Le timing est génial quoi. Je veux dire, elle explose. Très très bien. Pile! Pile, 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 l'egg explose quand, quand la chrono se termine, quoi. C'est nickel. Il se paye une tour en plus à sortie de ça, donc c'est cool. Ça fait des gros afflux de gold. Attention quand même à FBZ, peut-être Thompson qui peut aller chercher un contre-kill. Il n'arrive pas à prendre le passif. Bien mobile avec Contini. Hein. Ouais. On lui a envolé beaucoup de dégâts au passage, mais. Après, t'as plus besoin de prendre le passif pour tuer. Au mid. Ok, le spawn. Oui, c'est non, c'est vrai, t'as plus besoin de prendre le passif. Et Bounty la 15ème. Le terre ramassé, j'ai pas vu par qui. Thompson en a pris 2. Mikoto 1. Et salut. Ah, ce scan. Ah non, c'est un scan du d'ailleurs. Ok. J'ai eu peur que ce soit du radiant et qu'il s'arrête juste avant qu'ils arrivent. Attention, il est bien tranquille. Jarak qui va pouvoir rouler boulet à haute. Jarak qui va la se tomber. La petite douche sur le toss. Allez, Seb qui veut défendre pour le moment, Fervian qui va décider, Grimousel pardon, qui va décider de spin pour pouvoir reculer le stun sur le côté pour aller chercher peut-être un kill sur le sky, le bon stun de Mikoto en fond. Qu'est-ce cute qui va peut-être tomber là-dessus, c'est long pour récupérer ce kill, le jump du Void, on aura les dommages, il va lâcher un silence en contre Thompson. Lui qui aura bien chassé l'équipe adverse, qui aura gagné à peu près 200 dommages là-dessus. Tu sens quand même que le tanking apporté par Sven là pour son équipe, pour le moment il n'a pas encore un effet monumental parce qu'on est quand même majoritairement sur du dégât magique hein, du côté boom, faut pas décoller. Donc le Vlad t'apporte pas de survie parce que les 4 d'armure, bah, on s'en bat les steaks côté boom. Le Warcry est cool, mais comme le Warcry en fait scale sur vos HP ou sur votre armure, j'ai un doute. Le Warcry sur les scale sur les, leur armure et les résistances à la magie, quoi, c'est des HP le Warcry. Donc en gros il est pas encore ultra efficace maintenant, on va lâcher une chrono en haut, je suis pas sûr que vous pouvez avoir ce belle kill. Celle-là avec Leg qui va devoir être posé juste derrière, qui va être focus cette fois, bah oui parce que plus de chrono par le jug pendant son spin, on va exploser et totalement supprimer de la carte. Ouais. Ce Void, on va tuer également bien entendu juste derrière le Earth Spirit, Thompson qui est un petit peu seul là-dessus, il y a une Ward qui bat, qui est un peu tanké, ouais Seb est dans le coin, mais la Ward tient bien en vue tout le monde, alors il est bien tanké avec son Razor, mais peut-être pas assez pour pouvoir encaisser cette ulti du Jugger, ça a l'air de passer pour le moment, il décide de focus Mikoto, il se prend les silences, il prend les dommages, il tombe lentement, mais sûrement Seb qui peut pas faire grand-chose tout seul, il n'a plus vraiment de mana, 19 charges de stick, Seb, le guerrier de l'infini, le stick qui est chargé, il hésite à balancer le stun, il veut récupérer je pense absolument un kill, quoi qu'il arrive, il court, il se fait All Scepter, ça dispel. Bien entendu, le shield d'HP, quoique non, c'est un dispellable. Non, c'était le Ghost Rain qui restait en buff, excusez-moi. C'est dispellable, comme l'ancien, ça n'a pas changé. Et OG qui s'empale ici, qui s'empale une fois de plus. Alors tout à l'heure, le dive était bien mené, là c'était beaucoup plus compliqué. Ouais, ils sont sentis chauds les deux avec leur pipe et leur hood là. Oh, ils ont bien tanké, bon, en vrai, ils ont tellement tanké avec pipe et hood. Oh. Ah, c'est l'Omni Slash qui a fait la différence quoi. Je pense que tu enlèves l'Omni Slash de l'équation, il y a moyen qu'il gagne le 2v3, mais. LTW, tu peux pas faire grand chose tout seul. T'as qui pas loin? T'as Jerax pas loin. Ça reste un gros kill cette Lina hein, quand même. Elle est relativement tanky, ce qui est 1200 PV et un heal. Oh le bash first hit. Bon, on est tenté. Le stun. Ah, elle a le scepter. Bah ouais. Bah ouais, non, ça passe. Hein. Facile. Ah, bah, bon, ouais. Facile. Le bash du Void, c'est toujours un bash random. Ouais, ça. C'est celui du Skarner qui est passé en bash de tu sais quand il bash. Et le fait, ça peut-être permettre. Ah, c'est optimiste, Roche quand même. Hein. Faut décoller, je pense. Ah, OG d'aller faire rush, ça paraît compliqué aussi, je suis d'accord avec toi. Quoi, il est peut-être sneaky ceci dit, tu vois, tu le sniffes peut-être pas, tellement c'est.
peu probable. On a le médaillon de Thompson, ouais, on a le médaillon de Thompson pour accélérer un peu les choses avec le 22 de Seb. Ça va encore, hein, c'est pas si long que ça. Hein. Alors il y en a un qui l'a bien ressenti. C'est le Tini, mais il est un peu seul pour le moment. Et du coup, la cavalerie arrive, mais elle arrive un peu tard là. La chrono revient quand? Alors, il y a peut-être une petite porte de Gérald. Gérald qui va peut-être tomber ici, non, la pipe qui va le protéger. Okay. Allez, on s'avance sur KSQ, pas encore de dagger. Sur le Sven, on va pouvoir terminer le rush, c'est bien protégé, il y a le TW qui va ramasser ça, il a une chrono maintenant disponible, on va croiser Jokam juste derrière, je dirais qu'il va décider de lui sauter dessus, qui va lui mettre l'ulti et je pense qu'on pourrait avoir ce kill. Il y a un roulé boulet qui est en train d'arriver, pour l'instant là un petit peu plus bas, c'est KSQ qui est mort. On va prendre un ulti jug, bien absorbé par Thompson pour le moment. On va pouvoir se retourner peut-être sur Dreamocell, il faut tomber cette ward peut-être, c'est compliqué, le stun qui va arriver juste derrière, la ward qui ne suffira pas à maintenir en vie ce jugger qui va mourir. L'Edge mortel qui aurait été récupéré, ouais. Oui. Est-ce qu'on peut aller chercher plus loin? On a un stun dans 3 secondes sur ce Sven, ça ne passera pas. Mais bon, le jug est mort et OG continue sa remontée. Hein. Regarde, ils ne sont plus qu'à 2 kagold de derrière Boom. Ils vont pouvoir ramasser les 4 bounties ici, peut-être pas les 4. Avec FBZ qui en a au moins récupéré une. Un peu dommage que le Void meurt sur la gauche, fight split en deux. Je pense qu'il fallait peut-être jouer un peu plus autour du Void, surtout qu'il avait la chrono, il meurt sans lâcher la chrono. Parce qu'il n'a pas vraiment d'aide là-dessus. Mm-hmm. Il y a moyen de prendre une teamfight plus qu'une chasse un peu à la coupe, je pense, là-dessus. Et c'est le retour d'OG en smoke qui repart à l'offensive. On a un egg. On va aller chasser et d'ailleurs on va peut-être réussir à chasser sur ce jugger, le spin, qui va arriver juste derrière. Il n'a rien du tout ce jugger hein, à la fin de ce spin. C'est un peu loin quand même. Ouais, mais OG non plus, c'est ça, fallait aller trop loin, on va juste profiter pour farmer les bois adverses. Peut-être pour mettre de la pression sur cette T1 bottom. Et c'est là que ça va devenir difficile pour Boom, parce que le jug a beau avoir le net worth qu'il a, un Link Razor ou un Warcry bien timé, et tous les dégâts du jug sont complètement décimés dans les fights. Et la Lina, elle joue contre un mec qui a un Wood, un autre mec qui a une Pipe et un type que si tu times mal ton Burst, le Void, si tu times mal ton Burst, il va pouvoir s'en sortir. Donc il va avoir Manta dans quelques instants si c'est pas déjà le cas. Non, il a fait son VHR. On va catch Gérald. Ouais, il tient pour le moment grâce à la Pipe, il va finir par tomber tout de même. Thompson qui se retrouve un petit peu isolé au milieu de tout le monde. Le Bactos pour essayer de gagner du temps. FBZ qui va prendre le stun du Sven juste derrière, qui va fondre normalement. Il est magnifique ce stun de Mikoto qui ne peut pas fight malgré la DD. La Ward qui est toujours là, qui essaye de le maintenir en vie. Le roulé-boulé qui arrive derrière, on a toujours une chrono et le Void qui essaye de se faire burst pour le moment. Le Void qui va peut-être pouvoir s'en tourner, qui va chercher la double chrono. Oh, elle est magnifique sur la droite suite à son jump. Payer le TW qui fait le travail ici pendant ce temps-là. Le buyback de Jerax qui est en train de travailler derrière. Fervian qui a peut-être, Dreamocell pardon, qui va peut-être pouvoir récupérer un kill. Il est magnifique sur roulé-boulé qui va pouvoir permettre de s'extraire de là avec le kickback sur Joakam. Les bâches qui sont essayées de trouver peut-être sur Fervian, ça ne tombera pas. Le spin qui fonctionne. Le roulé-boulé de nouveau de Jerax qui continue de se jouer de ses adversaires et notamment de ce Tushkar. Il ne restera que le jugger en vie. Il va s'en sortir ce jug, mais à quel prix? Quasiment toute sa team d'ailleurs est morte. Oh, okay, démonstration okay. De nouveau Jerax. Alors Spirit, il régale toujours autant. C'est les petits micro-moves qui font pas une méga grande différence dans la fight, parce que tu sais, au pire des cas, il meurt et je pense que le résultat de la fight est le même. Mais c'est stylé. Bah, c'est trop stylé, attends. Ouais. Ah, c'est ultra propre ce qu'il a fait là. Ah, je suis très dubitatif sur le son GHA du Void over Manta dans cette game. Il respecte pas spécialement le silence du Sky, quoi. Un son GHA, c'est cool, hein, ça veut lui donner des PV, il y a de la status résistance aussi, c'est sympa pour sa survie, mais. Ah, en vrai, contre les ultis Lina, pardon, comme il vient de le prendre sur le dernier fight, c'est pas mal, hein. Clairement. Mais pas de respect pour ce silence, quoi. Qui est un peu. Dans mon explication, qui disait que la vie d'Alina allait pas être facile non plus, parce qu'un peu le seul mec qu'elle a envie de burst et qu'elle va pouvoir burst, donc le corps qui a pas de hood ou de pipe, c'est un mec qui aura Manta et qui va pouvoir dispel le silence et toujours pouvoir jump. Au final, maintenant c'est plus très vrai quoi. Il est juste un peu plus tonky. Mais... On a Notel qui fait Aga First, qui l'a quasiment. Sérieux? Ouais. Trop marrant, il manque 1000 gold. Alors, si je dis pas de conneries, le Link du Razor continue si tu le mets dans l'Egg Phoenix. Alors, c'est pas une combo de ouf, hein, mais je crois que ça continue. Je crois avoir vu cette interaction une fois et m'a dit tiens, c'est bizarre ça quand même. Et idem avec l'ulti, je crois qu'il coupe. Ça ressemble à quoi? T'as un espèce de spermatozoïde chelou qui sort de l'œuf là ou... Ouais, ça, c'est, je crois que l'œuf link un truc et l'œuf fait un nuage au-dessus de sa tête. Quoi. Pas mal. Allez, smoke. Boum, tire pas sa offensive. Du coup, tu peux double link potentiellement à la sortie, tu peux en mettre un nouveau. Bon, allez, c'est attention. Du détail. Hein, mais... Seb de HP, il en a pas mal. Thank you.
saute sur Dracam, est-ce qu'on a le burst nécessaire pour terminer le kill? C'est difficile, le silence qui vient d'arriver juste derrière, mais ça paraît compliqué d'aller chercher ce kill pendant ce temps-là. On a le Jug qui est en train de taper, regardez les dommages qui sont totalement absorbés par ce Sven, les dommages du Jug. On va décider de se retourner sur lui, on a toujours une chrono disponible. L'egg qui va être placé là-dessus, il faut peut-être chrono ça, il faut peut-être chrono ça, on va chrono ça pour protéger cet egg et faire Vian, qui va se retrouver totalement isolé. Qui va tomber ici, on va aller chercher plus loin, notamment peut-être récupérer Qu'est-ce cute. Le coup de pied le coup de pied qui est magnifique. Alors pendant ce temps là, un peu plus bas par contre, c'est FBZ ainsi que Mikoto qui ont récupéré le kill. Le stun de Gerax de nouveau qui va cancel le TP de Mikoto. Mikoto qui va balancer le Hulceptor. Est-ce qu'on arrive à récupérer ce kill peut-être? Les birds qui sont allongés, qui ne suffiront pas. L'urne non plus, le roulé boulet. Il reste un kick ou il reste pas de kick? Il ne reste pas de kick, il n'y a plus de pierre. Mais l'urne était là. Ah, c'est stylé, les Earth Fury, putain, c'est bien, quoi. C'est joli. Ah, c'est magnifique. Et LTW, par contre, qui continue de mourir, hein, c'est terrible, hein. Il arrive pas, c'est lui à chaque fois qui essuie les plâtres, c'est lui qui meurt. Alors, son Sven et Thompson sont en train, Sam et Thompson sont en train de s'envoler. Et lui stagne un petit peu en termes de net worth. Donc, il y a un petit Tiny qui a un peu tout esquivé, qui fait limite les dommages, le kickback sur Joachim. Attention parce qu'il est bien chargé. Pendant ce temps-là, un petit peu plus bas, c'est Seb qui a croisé Dreamocell. À moins que ce soit l'inverse, on va pouvoir récupérer tout de même, je pense, ce Tuscar. Le roulé boulet sur les creeps qui est assez malin. Voilà, il s'est fait instant kill par le passif à la sortie de Snowball. Ah, mais c'était. Il m'a en draft. Tiens, on parlait hier de NIP qui draftait les trucs. Un peu où tout le monde est tanky, difficile à tuer et tout, etc. Ce que je trouve qui est cool avec Survive the OG, c'est qu'ils ont cette idée-là. Ils ont quand même trois corps qui maintenant sont très durs à tuer. Et ils ont les items qui vont avec aussi. Il y a du Vlad, il y a du Hood, il y a un Crimson, il y a une Pipe, il y a un Solar Crest. Il y a, mais tout va vraiment dans cette idée. Là, leur but, c'est... Les mecs en face ont une combo all-in très violente, mais ils ont quasiment... que du mono cible. Oui, il y a beaucoup de spells qui ont les composantes AOE dans leur délire, l'avalanche, le Dragon Slave, la Lina, le Mystic Flare, mais tu les utilises surtout sur une cible pour la Burst Zone. Si tu fais en sorte que les mecs n'arrivent pas à tuer une cible, c'est super stylé. Ça veut dire qu'au final, les mecs ont cramé toutes leurs ressources, même l'Omnislash quelque part, il y a un truc mono cible. Ouais, hein. Les mecs ont cramé toutes leurs ressources pour rien. Ah, 100% juste rien. Et ce qui est trop bien, c'est que le Phoenix va pouvoir aider dans ce genre de... sur ce genre de situation en plus. Hein. C'est avec son Naga là. Alors attention, à Seb, que vous lui mettez l'ulti, le silence à douche suffirant, le silence à douche, le stun ulti. Allez hop, résiste à ça. Pendant ce temps là au mid, on a récupéré un petit Oscar. Jirax qui va passer dominating, mérité bien entendu. Mais lui aussi il a fait Hood, hein. Que regarde même lui, hein, tu sais, tu disais les trois corps sont ultra tanky, mais même lui a sorti un Hood avec double brasseur, là il a 2000 HP. Combien il est en résistance magique? 60% de résistance à la magie, hein. C'est ouf. Là il est quasiment sur du 4k5 effectif HP. C'est dur la vie des lanceurs de sorts dans cette méta. Ah oui. Ah, les brasseurs, mon gars. Est-ce que j'allais dire, ouais, c'est voilà, j'allais dire, mais il faut presque que la Lina parte sur un Naga, hein, à la limite, hein, ouais, pour avoir des dommages purs, ouais. Hein, et ça va être le cas. Hein. Soit ça, soit rotate en dégâts physiques, quoi. Mais rotate en dégâts physiques contre, tu sais qu'il y a un Crimson Bird qui arrive, tu sais qu'il y a le Warcry, c'est chiant aussi, quoi. Bah, je suis d'accord. Ouais, moi je trouve que dans cette méta, on devrait pouvoir, dans la phase de draft, on devrait pouvoir ban deux héros et un item. Moi je bannerais brasseur à toutes les gueules. Ce serait marrant. En vrai, ça serait sacrément drôle, marrant, putain. Hey, Thompson, mais il commence. C'est pareil, enfin regarde Thompson quoi. Regarde son build. Power Thread, Solar Crest qui va lui donner plein de stats et d'armure, la pipe, une plate mail en plus de ça, ce qui va lui donner du dispel une fois qu'il l'aura transformé en Lotus Orb. Pas de les ward. Non, un item non consommable, les mecs, on va les foutre pas quoi. Pas de les ward. Ban BKB, allez hop. Bah oui, j'ai la chance. Carrément, tu peux te BKB. Mais ouais, dans ces builds Razor, moi je me demande toujours si c'est pas un build où tu peux faire un Naga ou un sur Razor. Ouais, je suis d'accord avec toi, sur des builds vachement durables, parce que tu vas pas tant faire les dommages au right-click que ça, et donc tu peux trouver des dommages via ton Naga. Ouais. Disons que là, t'as pas le droit de rater ton Link en fight. Mm-hmm. C'est vraiment ça, c'est si ton Link il est cancel quasiment. Il est au tail. Ouais, oui, non, ok, c'est bon, il a eu le tour de egg, ouais, c'était pas sûr. Ouais, le slow, ouais, je pense qu'il est mort des aides avec le stun de l'egg. Le stun du Sven, ah c'est bien joué.
de sa gueule avec le vieux rire pourri. Qu'est-ce qu'il a fait avec son jeu? Oh, il a fait une petite avec son jeu que j'avais pas vu après la mental à dagger. Peut-être même avant la dagger d'ailleurs. Thème qui avait un petit peu disparu sur le héros. Thème qui a un petit peu disparu sur le héros. Le silence en bas, le sky de Stella ne peut pas silence Notail, va mettre la douche mais un peu tard et je pense que Cascute va mourir ici. Est-ce qu'on peut aller chercher plus loin? Attention à ce courrier ici, on a l'information sur la présence de Jokam, le stun de Seb. Ouais, c'est bien ce que fait. Tu sens là que Boom est beaucoup moins en sang, beaucoup moins en confiance peut-être qu'en début de partie, que ça commence à s'effriter un petit peu et que OG s'engouffre bien dans les failles, hein, y a pas de problème. J'ai bien envie de revoir Gérald jouer Spirit sur encore une ou deux games pour voir, parce que j'en parlais hier du mode moi je trouve que personnellement je fais plus d'aguerre sur le héros et c'est la réflexion que j'avais, je sais pas si j'ai raison ou pas, j'attends dans les gros joueurs. Dans cette game, il n'y a pas de dagger de sa part, c'est une game un peu bizarre parce qu'il faut qu'il tank et tout, donc il a ce wood et ses doux brasseurs. Mais moi je fais vraiment des builds du genre aussi, c'est J'ai regardé quelques games de lui stream de Gérax sur son OS et il disait que, qu'il faisait plus d'ailleurs non plus. Ouais, je pense vraiment. Hein. On verra à terme. Allez, on essaye de défendre au mid. Comme on peut, il TW qui va jump pour ignorer un petit peu les dommages adverses. Qu'est-ce que tu ils ont plus de spam. De creep après ça. La tour va tomber, on vient de débloquer la gueule de la Lina. Alors attention, ce que ça veut dire. Pas de buyback sur cette Lina, pas de vague de creep en effet côté OG, elle est en train d'arriver mais c'est un peu long, il y a deux catapultes, on essaie de ne pas les défendre, on va plutôt aller se chercher les shrines et se les payer. Ok. Ah, ils vont rester, ils vont insister peut-être aux alentours du mid après avoir pris ce shrine, ils vont pas aller tabasser le deuxième. Ils traînent dans les parages plutôt. Là ils hésitent quand même hein. Ils repartent mid. Sur la récupération Crimson, ils ressortent. Il y a du farm qui est en train d'arriver en bas, du farm qui est en train d'arriver au top aussi. Ouais non on va les défendre. Passons pas aller sur la grande. Il va rendre son équipe mais tellement bulky avec son Sven quoi. Et on fait Taras. Crimson, Vlad, là il est en train de partir sur, sur Kuras. Yes. Mais je pense qu'il y a des héros tu peux plus tuer, genre le Razor, une fois qu'il y a la cuirasse là, une fois qu'il y a tout là, et puis tu files Taras du Razor, est-ce que tu peux encore le tuer un jour ce Razor? Je sais pas, genre, difficilement. Difficilement. Alors il y a un joli scan qui a touché, je sais pas si on va en faire quelque chose, si on peut en faire quelque chose. Faut cette BKB aussi là sur UTW. Tu sais, tu parlais tout à l'heure de l'absence de Manta, de petites choses comme ça qui pouvaient être embêtantes. Ça. Là, je pense que son item build en ce game est pas. Il joue convenablement, surtout pour son item build. Je sais pas. I am not convinced. Oh, il l'a trouvé. Il l'a trouvé, Gérax. Ce team juste derrière, le toss qui ne perdra probablement pas de s'en sortir. Les roulés-boulés qui sont enchaînés, les kicks aussi. Et Gérax qui régale encore une fois. Oh, il a fait Shadow Blade avec son Sven. Plutôt que de faire sa cuirasse, il vient d'acheter Shadow Blade. Ok. Ok, je suis sûr. Ah, Sven de langage. Ouais. Oh, et peut-être qu'il perd le poney avec la Shadow Blade dedans. Tusk, un travail pour toi. Un peu long, tu l'attends en retour? Non, tu l'attends pas en retour. Le truc, c'est que tu sais que si tu fais ça, t'as. Vu où t'es sur la map, t'as quand même 95% de chance de mourir, quoi. Yep. Le jump, attention au silence, pas de BKB, on a encore la Aegis hein, pour 1 minute 30 sur. Ce Void, ah ouais, le jump sur Kescu qui s'est un peu trop avancé. Le défaut du Sky, hein, ça reste une croquette quand même ce héros. Il a un buyback de disponible, la fortification qui va être forcée pour Boom eSport. Pour Boom ID, pardon. Allez, ça tape, la qui tombe, le stun de Mikoto est bon, on hésite à mettre l'ultimina. Je ne sais pas où est passé. Ah mais il est dans la. Il est dans l'aigle, pas du tout. Il était dans le roulé-boulé. Avec la Lotus Orb, ça a été compris. Et derrière ça on continue de jump. Ce Void qui a toujours la Aegis de l'Immortal, le stun qui va être évité sur le récepteur FBZ qui va contrer et qui va permettre de récupérer cette Aegis de l'Immortal devant les T4. Allez, le roulé-boulé de retour, le stun, la Lotus Orb qui est posée sur LTW pour le protéger. FBZ qui se met à l'abri dans sa fontaine. Le side qui tombe. Dreamocell qui s'avance, qui met un petit rekit sur Fervian, qui se rend bien compte qu'il ne lui fait aucun dommage. Et ça décide de focus T4. 46 secondes avant le retour du Sky, 15 secondes avant le retour du Tescar.
Eh, tu sens le manque de dommages de Boom hein, maintenant. Tu le disais, hein. Bah, comment ils engagent là? Comment ils vont tuer quelqu'un? Avant l'ultilina, avant 14 secondes, ça me paraît quand même très très compliqué. Allez, le Sven qui se saisit des points de faiblesse de ses adversaires. Le bon kick qui va arriver juste derrière. Le Jack qui a balancé l'ulti, mais c'est ignoré au milieu de tout le monde. On a un Egg qui est en train d'arriver au milieu du fight. Attention à cet Egg parce qu'il tank grâce à son Aghanim Scepter. Est-ce qu'on arrive à le terminer cet Egg? On n'arrivera pas à le terminer. On n'arrivera pas à terminer Seb non plus sur l'explosion de l'Egg qui est toujours en vie. On va le heal de la part de Notail. On s'intéresse peut-être à Mikoto sur le côté qui va prendre des boons d'ulti du Thompson et qui va mourir. Un stun qui est arrivé derrière sur Jokam qui va tomber également. Les buyback qui sont enchaînés côté Boom avec le Jugger qui va devoir cancel le sien. De TP au milieu du fight, la réengage de FBZ qui est juste derrière. Est-ce qu'on arrive à terminer Gérax? Est-ce qu'on arrive à terminer Gérax? On arrivera à terminer Gérax ici. Le stun de Lalina qui va arriver sur Thompson. Thompson toujours en vie. Thompson qui va limiter que les dommages de Dream Ocel. Thompson qui tombe par la chrono qui est alignée uniquement sur ce Jugger mais qui va permettre de récupérer ce kill. Peut-être également FBZ qui va tomber derrière. Le magnifique stun du Sven sur Lalina ainsi que le Sky. Lalina qui était en Shadow Blade, on ne le savait pas. Le Sky lui était là. Le GG qui est colle, bien entendu. Bien, ils m'ont fait peur au G, je dois t'avouer, Voja. Ils avaient un point à atteindre avec leur draft qui était un peu le point de non-retour. Et c'est un peu le côté compliqué du draft de Boom Esper aussi, qui est un draft ultra explosif sur le early. Et en fait, il faut arriver à continuer à maintenir ce momentum tout au long de la game, ce qui est très difficile à faire. Quand t'as des drafts de kill comme ça, c'est très dur parce que t'as pas le droit de relâcher la pression, t'as pas le droit de commencer à perdre des fights. Parce que si ça arrive, bah justement, les mecs peuvent commencer à construire ces items pour se protéger contre contre tes options. Et c'est tristement ce qui leur est arrivé, quoi. Yep. Bon, bah chapeau bas quand même à Boom qui a fait un peu suer peut-être les champions de TI. Oui, ça fait toujours plaisir, je pense, pour une équipe comme ça, une équipe un peu pas inconnue, mais sur la pente montante, on va dire, de te dire que t'as quand même mis un sacré tarot aux mecs qui ont gagné à la Aegis pendant 15-20 minutes sur la game, ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir. Non, je suis d'accord avec toi là-dessus, je suis d'accord avec toi. Bon, convaincu par ILTW ou pas? Pas vraiment sur cette game, mais je pense qu'il avait un rôle très spécial, un truc très bizarre. Déjà, un setup de Void en triagro, c'est chelou, il perd de la triagro, il a un item build difficile, bof. Attends, la game 2 pour te prononcer. Il y a eu une jolie chrono, ouais voilà, pour le moment, pas super convaincu, mais c'était une situation un peu bizarre quand même, donc... D'accord avec toi. D'accord, voilà, avec toi. Voyons par la suite. Oui, on a le temps.